Et salut, c'est Benjamin, l'auteur du site tradingdebutant.com. Alors aujourd'hui, je voulais te faire une vidéo sûrement un peu plus brève que la plupart du temps. Mais juste, j'avais une question à te poser, ou plutôt un angle de réflexion à te proposer. La plupart du temps, en fait, si tu veux, on est souvent un peu déçu, on va dire, lorsqu'on fait une perte. Comme tout le monde, et c'est normal. Mais il y a quand même un truc à revoir dans tout ça, c'est que des fois une perte ça peut être bénéfique si ça peut nous permettre de tirer une leçon d'un mauvais trait, d'une erreur ou de ce genre de choses, tu vois. Et du coup, je voulais parler à propos de ça, et donc que tu réfléchisses pour toi-même en tout cas, qu'est-ce qui est le plus important, si c'est de faire un gain ou de faire un apprentissage. Enfin, de faire un apprentissage, ça se dit pas trop, tu vois, mais c'est pas grave. C'est-à-dire que si par exemple pour toi vraiment le plus important c'est gagner, 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 eh ben tu peux essayer, je sais pas, tu peux peut-être essayer de prendre un peu plus de risques ou ce genre de choses. Pourquoi pas de trader un peu en manière, enfin à la manière d'une tête brûlée, prendre beaucoup de risques et gagner ou perdre, mais un peu en mode casino quoi. Mais après, à côté de ça, si ton but c'est de durer sur le long terme, le mieux, c'est peut-être de commencer à trader avec un petit compte. Vraiment, faire un journal de trading, revenir régulièrement sur tes gains, sur tes pertes, sur ton entrée en position, pourquoi t'as gagné, pourquoi t'as perdu, etc. Et au final, essayer de, comment dire, au final, essayer vraiment d'apprendre des choses de tes pertes et pas juste repartir frustré parce que t'as perdu quelques euros ou quelques dizaines d'euros. Voilà. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Passe de bon trade et à la prochaine.